Je sais que vous avez choisi de vous tenir à l'écart des journalistes depuis un moment. Mais je souhaiterais malgré tout tenter ma chance. Quick a été reconnu coupable de 8 meurtres seulement, mais il se trouve qu'il en a reconnu au moins 20 de plus. Comment peut-on être condamné pour un meurtre sans preuve concrète qui inculpe le suspect? Nous allons mener notre propre enquête. On verra ce qu'on peut trouver. Non. Non. Si, si j'ai dit non. On sait tout sur lui. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Des preuves, Jenny. Des éléments concrets. Si jamais vous souhaitez sortir, vous appuyez sur ce bouton-là. Et dans la seconde, vous serez dehors. On vous reproche d'avoir assassiné 30 personnes. Mais il n'y a aucun témoin. Pas de trace d'ADN. Aucune preuve médico-légale. Comment est-ce possible? Ceci étant, je n'ai pas l'intention de me faire complice. Ce qui me semble être un scandale judiciaire. Il est certes coupable, mais ils ont menti. Et il est donc obligé de tuer à nouveau. Les preuves contre lui étaient solides. Il a disparu. Il a disparu pour toujours. Pour toujours.